Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Elite Dangerous. Et donc comme prévu dans le précédent épisode, chers amis, nous allons nous rendre au Cooper Hub. Donc toujours le même système, le système de Kamadenu. Donc le système de notre puissance vis-à-vis de Powerplay. Donc Powerplay que nous ne sommes même pas intéressés hein. On est juste dans la puissance mais on n'a encore vraiment rien trop fait de faramineux. Hop. Voilà, permission de décoller, merci. Allons-y. Hop. Alors je vois qu'on a plusieurs vaisseaux autour de nous, c'est intéressant. Donc des vaisseaux d'autres joueurs tout simplement. Est-ce qu'on peut voir justement? Apparemment il y a un piton dans le coin. Qui est derrière nous. Bon, on va s'intéresser justement à un nouveau vaisseau, à un vaisseau qu'on pourrait acquérir en espérant qu'il soit disponible. Donc, qu'il soit disponible. Oh, zone de conflit à Kamadenu. Faudra qu'on aille voir ça aussi, chers amis. Apparemment, j'avais pas le droit d'être là. Pas compris. Bon, on lâche nos trains d'atterrissage, on les rentre, pardon. Et on va se diriger vers. Bah alors. J'ai fait déverrouiller sûrement. Ok. Donc on va se rendre au Cooper Hub et ensuite on va aller voir. Ah bah non, on va pas aller voir. Enfin vous allez bien voir. On va bien voir. Ça dépend. Hop, voilà, au cas où. C'est parti. Alors. On est à fond, on se rend donc au Cooper Hub, comme prévu. Je vois qu'on n'est pas tout seul dans le coin, c'est intéressant. Tu m'étonnes en fait qu'il y ait autant de monde au... à Shagen Market là. Vu que s'il y a une zone de conflit, forcément il y a des combats, donc s'il y a des combats, il y a des gens. Ce qui pourrait être intéressant. Ce qui pourrait être intéressant. Suivant comment ça va se passer au fameux Cooper Hub, on verra bien. Hop, voilà, on est à peu près centré dessus. Sinon, j'espère que tout va bien pour vous. Je n'ai toujours pas de nouvelles supplémentaires vis-à-vis d'Horizon. Comme d'habitude, je vous en informerai quand j'en aurai. J'espère en tout cas que les séries qui passent actuellement sur la chaîne vous plaisent. En tout cas, moi je m'éclate beaucoup en ce moment entre Deadpool qui est vraiment fun. Bon, désolé, malheureusement, il y aura un épisode qui sera à moitié foiré. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Au moins, je l'ai retrouvé. Que dire de plus? Nous avons aussi donc Mad Max qui est juste épique. J'adore, j'aime beaucoup. Starbound, donc oui, bah, il me manque ce jeu, il me manquait ce jeu. Malheureusement, bon, bah avec Mad Max, forcément, je fais avec. Hein. Ce qui ne veut pas dire que je raccourcirai Mad Max pour jouer à Starbound. Désolé. Mais bon, on verra bien. Je ne peux pas rajouter une quatrième vidéo par jour, malheureusement. Enfin, je pourrais la rajouter, mais 4 vidéos par jour, ça fait beaucoup. Déjà 3, il paraît que c'est beaucoup. 4 vidéos, ça va surtout bah, me rajouter encore des tournages dans une journée, ce qui est déjà ré-crac. On se rend pas compte, en fait, de... Enfin, le tournage en soi, c'est 20-30 minutes, parfois plus. Le montage, c'est 2 fois plus, voire parfois 3 fois plus. Donc 3 heures, ça fait 4h30 de montage. Oula, on arrive peut-être un petit peu vite apparemment. Raté! Effectivement, on allait un petit peu vite. Hop. Je parle et je fais des conneries comme d'habitude, chers amis, vous le savez bien. Alors. Donc voilà, voilà où on en est, chers amis. Maintenant, à voir si on va vraiment ou non. Oula. Aller plus loin. Je suis en train de parler, du coup, je regarde à moitié ailleurs. Où est-ce qu'elle est, ma planète? Voilà. Ça semble aller un petit peu vite encore. Hop. Alors. Oh, mais vas-tu freiner, vaisseau? Alors. Disons. Hop.
Allez! Là voilà. Parfait. C'est parti. Eh, c'est pas là, c'est pas le bon bouton. Mais allez! Mais putain! Oh non, mais mes boutons sont en train de lâcher, chers amis. Ça y est. Mes boutons sont en train de lâcher. Blah! Cet enchaînement de fail, chers amis. Allez! Ah, c'est pas le bon, je suis con. Le voilà. Mais c'était le bon quand même, première fois. Alors, oula, mais c'est tout rouge là-dedans. Alors, je vais pas être très très loin de toute manière. Et on est bon. Puis-je rentrer, s'il vous plaît? Il va falloir que je mette la lumière, j'y vois que Pouic. Et j'y vois vraiment que Pouic. Est-ce que mes phares fonctionnent? Est-ce que mes phares fonctionnent, madame? J'ai pas l'impression. Ah si, il fonctionne. Ouh. Allons-y. Parfait. Puis l'atterrissage 29, 29, 29, elle est dans le fond là-bas. Alors, je lance les trains. Je sors les trains d'atterrissage, pardon. Ok. Ok, on est bon. Entrons dans le hangar, service de spatioport. Et donc, chantier naval. Attention, retenez votre souffle, chers amis. Sidewinder, Eagle, Hailer, Transport type 6, Vulture, ASP. Ah putain, ils l'ont pas! Ils l'ont pas, chers amis! Bon! Vaisseau de la flotte impériale, d'accord, Cobra MK3. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on cherche, chers amis. Carte de la galaxie, s'il vous plaît. Merci. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un système high-tech? Industrie, apparemment. Exploitation minière. Je peux avoir les noms, s'il vous plaît? Pourquoi ils s'affichent pas? Ah, mais non! Je veux retourner là où j'étais. Voilà. Non, vous m'affichez les noms. Exploitation minière. Non. Exploitation minière, non plus. Minière non plus. Station minière. Ça va pas le faire cette histoire. Terraformation. Bunusson. Agriculture tourisme. Humayo. Nagui. Non. Haute technologie. Ah. Chigbara. C'est là qu'on va. Croisons les doigts, chers amis. Alors souvent, ils ont pas les vaisseaux et la technologie, mais bon, on n'a qu'à croiser les doigts. Alors, ça va nous faire un petit voyage. Bon, ce qui réduira l'action de cet épisode, forcément. Sauf si on se fait attaquer. Soyons fous, soyons fous. Allez, roule ma poule. Clipper impérial qui rentre. Non, Eagle, pardon. Pouah, Clipper impérial. Ça va pas, oui. T'as tes conneries, Marcus? Oula. Ah, du coup, je me suis encore planté de bouton. Mais bon, on est bon. On rentre en train d'atterrissage, on booste! Oh, c'est pas parce que je m'enfuis comme un voleur que je dois me faire scanner, putain! Oh, c'est pique!
C'est bon? Merci. Oui, c'est parce que j'imagine que c'est parce que j'ai mes... Je l'ai scanné en fait. On y va, c'est parti. Alors je trouve que c'est beaucoup plus fun en fait de dire ready to engage et faire. Parce que moi j'ai un petit bouton donc je l'avance à fond et je trouve ça hyper classe. Donc c'est une petite perte de temps, chers amis, mais bon, je trouve ça tellement classe. C'est comme quand, Han Solo appelle Chewbacca chez lui et qu'il lui dit on va passer en vitesse lumière. En fait, il attend juste d'appuyer sur le bouton, c'est tout. Donc, où est-ce qu'on est là? Ah, déjà, ça c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Oh, de l'argent. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? De l'argent. Intéressant. Hofmeister. Tiens, c'est quoi ça? C'est loin ça. Est-ce qu'on tente la chance? On ira à Chikbara juste après. On tente notre chance? On tente notre chance. Allons-y. Moi je vais tenter ma chance là-dessus. Sur cette histoire. Donc ne vous inquiétez pas, ça va pas être aussi long que ce qui est affiché. Hein. Mais je suis curieux de savoir ce qu'il y a là-bas en fait. Apparemment c'est une planète que je vise. Bon, si c'est une planète, ça ne m'intéresse pas. Chikbara. T'es pas loin. C'est parti. Ah. Vous savez, c'est comme sur les bateaux, vous savez, les manches qui indiquent sur différentes vitesses que vous voulez aller dans croisière, rapide, machin, hyper rapide, vitesse de la lumière, bah c'est un peu ça. Sauf que ce bateau-là, il est un peu plus... Il va pas dans l'eau, pour l'instant. Ah. Mince, un instant, chers amis. Heureux, chers amis. Donc, alors... Pouah, où est-ce qu'on est? J'avais laissé les... Bon, on va aller à Israël Station, sinon c'est assez particulier, comme je ne m'attendais pas à tomber sur un nom de pays. Bon, tant mieux, je ne m'attendais pas. C'est parti. 17 années-lumière, bah c'est pas grave. Enfin, seconde lumière, c'est pas grave. Ça va se faire très très vite, ne inquiétez pas. On va continuer à accélérer, voilà. Et ça va être parfait. Alors ne vous inquiétez pas si ça vibre à côté de moi, c'est normal. Ça va arriver. Je vais devoir mettre fin à l'épisode, j'espère que ça va arriver avant. Normalement oui. Alors. Ce que je vais faire, c'est que je vais même pas mettre de vibration. Je vais mettre en mode comme ça et je vais le verrer juste en face de moi. Parfait. Hop. Alors n'inquiétez pas, c'est tant qu'on est dans l'accélération en fait, ça va être un peu plus long. Vous allez voir, on voit toujours que le temps réduit à une vitesse assez incroyable. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là, chers amis, ça va très très bien se passer. Ça peut vous sembler loin, ça n'est pas si loin que ça. Hop. Oui, déjà 45. Alors 45 fois la vitesse de la lumière. En fait, le C indique célérité. Une célérité, c'est une fois la vitesse de la lumière. Et donc, en fait, là. Ça correspond pas à ce que je sais. Alors, la personne qui m'a dit ça a dû se tromper parce que si... Alors, apparemment, on est à seconde lumière. Là, on est à 14 secondes lumière. Sauf que si on est à plusieurs secondes... Là, par exemple, on est à 65 années lumière. Attends. Il y a une couille quelque part. La célérité, il faut que je me renseigne. Je vais arrêter de dire des conneries. Si, voilà, on est à 80 années lumière par heure. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça.
On verra bien. Je me renseignerai sur ce que c'est exactement la célérité, exactement. Parce que je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Excuse-moi si j'ai pas retenu de ce que tu m'avais dit. C'est quand même. Enfin. Vous, je sais pas ce que c'est à regarder. Moi, ce que j'éprouve quand je vois ce jeu, quand je joue à ce jeu, c'est qu'on n'est rien. On est tout petit et pourtant on peut faire plein de choses. Enfin bon. J'adore ce jeu. Bon, j'ai tenté ma chance. On est en approche. Parfait. Ah, vous voyez, on est déjà en phase de décélération. Je vais même baisser un tout petit peu. Oh mince. Non, voilà, comme ça. Parfait. Ça devrait bien se passer. Allons-y, chers amis. C'est parti. Point, papa, point, point. Non, faut pas que je chante ça. Faut pas que je fasse cette musique-là. Alors, on est toujours. Ah, on est un rang voyageur en explorateur. On est en rang d'exploration. Intéressant, ça. J'aime beaucoup. On a un petit peu évolué. Voilà, on allume les phares. C'est sympa aussi d'aller dans le menu chercher l'activation plutôt que d'appuyer sur le bouton. Ça change. Alors, on approche. On était quand même assez loin en fait, je retire ce que j'ai dit. J'espère qu'ils ont le vaisseau. Ah là là. J'espère qu'ils l'ont. Paquet de vaisseaux par là. Et même un orca. Un des vaisseaux les plus inutiles, semble-t-il. D'après la communauté en tout cas, pour l'instant. Mais bon. Alors, nous y sommes. Visons bien le centre. Maintenant, au point où on en est. Chaque seconde compte. Eh ben, si c'est pas un soleil qui pète, ça, chers amis, il est sublime. Proprement parler, sublime. Est-ce que ça va être bon au niveau de la vitesse? J'ai l'impression que ça va être un petit peu juste. Non, c'est bon? Alors. En douceur. Tout en douceur. Tout en douceur. Tout en douceur. On y est. On y est, 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 on y est. Bon, bah ça s'est plutôt bien passé, ce voyage. On s'est pas trop fait agresser par contre. C'est presque dommage. Oui, presque dommage. On y est. Bon. Alors. Pleine puissance, monsieur Zulu. Mais non, je ne décélérerai pas. Hop, c'est bon. Voilà. Alors.
C'est en bas. Parfait. Oh, j'ai eu un doute l'espace d'un instant, dis donc. Bon, c'est pas grave, il nous l'a accordé, c'est toujours ça de prix. Alors, nous sommes à combien? 3 km 3. Non, on va pas le faire tout de suite. Voilà, on y est. On y est, on y est, on y est. C'est parfait. Ça passe. Ça passe. C'est passé. On avait là 4. La 4. Elle est dans le fond là-bas. Ok, pourquoi pas. Allons-y. Accélère, bon Dieu. Elle est vraiment dans le fond, hein, c'est... Je peux voir mon appartement d'ici dans cette station. Hein. Ok. Parfait. Entrons dans l'hangar, service de spatioport. Faire le plein, chantier naval, croiser les doigts. Les 10 vaisseaux. Ah, bah le voilà, chers amis. Bon, achat. Acheter un nouveau vaisseau et mettre le vaisseau actif. Voilà, parfait. On va le mettre là. Et on est bon, chers amis. On est bon, on est bon, on est bon. Alors, petit chargement, enfin gros chargement et petit chargement à la fois. Voici l'interface de notre Cobra MK3. Intéressant. Intéressant, intéressant. Bon, service de spatioport. Équipement. Vendre. On va vendre toutes nos armes, ça ne sert à rien. Voilà. Toujours ça de prix, hein. Vous me direz. Alors, ici, on peut acheter un laser minier. Alors, attendez, on va aller voir les différents types de modules. Vous voyez, il y en a déjà deux différents, là. Je vois pas quelle différence il y a entre les deux. Bon, on va prendre le classe 2. Voilà, on va en mettre un deuxième. Parfait. Petit point d'emport. On en a d'autres, mais on n'a pas besoin de plus. Je pense même pas qu'on ait besoin de deux en fait. Support utilitaire. Je regarde ce qu'il y a. Pas besoin de plus. Générateur, ok. Propulseur, ok. Système de survie, répartiteur de puissance, capteur. Compartiment de soute, générateur de bouclier, compartiment de soute, vide. Hop. Type de module. Raffinerie, 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 raffinerie. A2 coûte extrêmement cher. On va prendre leur... On va prendre celle-là. Hop. Et on va partir, je pense, chers amis, avec ça. Hop. Mais ça, chers amis, ça se fera dans le prochain épisode quand je me serai un petit peu renseigné sur tout ce qui est minage, un peu plus, une nouvelle fois, depuis donc la différente...
depuis les différentes mises à jour. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu malgré tout. Il n'y aura pas eu beaucoup d'action, même pas du tout. On aura eu un petit voyage sympathique avec un nouveau vaisseau, de nouvelles promesses normalement avec ce vaisseau. Donc encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures et abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. Salut les gens!